Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit sac que vous pourriez faire en cadeau ou mettre le cadeau dedans pour offrir. Nous avons besoin toujours de la matière de jute. Nous aurions besoin d'un morceau de 38 cm par 12, 24 par 4 cm fois 2 pour manche, 12 fois 6 cm, 12 par 12, 12 par 10 en plastique. Celle-ci est 38 par 12, comme vous le voyez. Nous aurions besoin 24 par 4 fois 2 pour manche. Voilà, 24 par 2. Nous aurions besoin 12 par 6, 12 par 12. Voilà, 12 par 12. Et le plastique est 10 et 12 par 10. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Nous allons commencer. Nous allons prendre le 38 par 12. On va prendre 2 cm du chaque côté, 2 cm, 2 cm, ici et ici, et nous allons le tracer. De chaque côté. Nous allons le tracer. En même temps que vous avez tracé, vous pliez le morceau avec votre règle. Vous le pliez. Vous le pliez pour l'écraser. Parce que c'est un jute plastifié. Vous le pliez. Pour que ça laisse les traces. Nous allons prendre 0,5 cm. Vous le tracez. Voilà, 0,5 de chaque côté. Et vous la tracez comme ça. Chaque côté. Et voilà. Tout d'abord, on va commencer par plier avec la main le 0,5 cm.
Voilà, on le met de côté. C'est même affaire pour la petite manche. J'espère que vous le voyez. Et nous allons faire pareil. Parce que c'est un peu dur. Il faut que ça plie bien pour pouvoir le piquer à la machine. Voilà. Nous allons le retourner sur l'autre. Et voilà, on le met de côté. Nous allons faire encore la même chose, 0,5 cm. On le met de côté. Le 12 par 12, le morceau de 12 par 12. Nous allons laisser 2 cm. Pareil, ici. Et on le trace. Et on doit le plier. Pareil comme les autres morceaux. Voilà, comme ça. Et nous aurions le plastique. Le plastique sépare 12 par 10. Voilà. Et on va commencer à le piquer à la machine. On va commencer par faire le bord du haut.
va tourner le 0,5 cm. De l'autre côté. Et voilà. Pour la petite manche. Voilà nos deux manches. Et le 12x12. Et voilà. On va prendre une centimètre pour tracer sur la manche, 1 cm. Sûrement sur une seule et l'autre non. On va prendre le petit morceau. On va le replier sur l'autre bord comme ça. Et nous allons placer le plastique tout au fond et le replier ici. Comme ça. Et nous allons faire une serpillière ici. Seulement ici. Avant ça, nous allons prendre 3 cm à partir du bord, 3 cm.
plier. On place le plastique. Et nous allons mettre le d'un centimètre. Sur la marque ici, et puis on va placer la deuxième ici et on le passe à la machine. Retourne sur lui-même. Et voilà. Désolé, petite rectification. Le morceau de 12 par 12, on ne doit pas faire le circuit ici. Nous allons laisser 3 cm, pareil comme l'autre. 3 cm. Du bord. Et nous allons placer la petite manche, sauf que celle-ci on n'a pas mis le 1 cm, on va l'enfoncer directement par des centimètres, complètement des centimètres. Et on continue. Comme l'autre. Et voilà. Et voilà les 3 morceaux. Maintenant, nous allons continuer. On va prendre ces parties-là. On
va placer ça au dedans. Et on va le retourner sur les faces devant. Et nous allons passer à la machine jusqu'au le morceau de plastique. Jusque là, ici à là. Vous devez faire bien attention à cette partie-là parce que c'est un peu, c'est assez épaisse. Et voilà. Nous allons le retourner de l'autre côté, ici. Ici. On va le retourner. J'espère que vous le voyez. De ce côté-ci. Ça, c'est comme ça. On va le retourner. Pour venir à ce côté-ci, comme ça. Vous le pliez. Et voilà, c'est comme ça. Nous allons plier maintenant ce côté-ci. Ce côté-ci. Ça. On va le retourner ici comme ça. Comme ça. On va passer à la machine ici. Et voilà ce que je fais.
d'une face, le face devant. Et on va continuer avec l'autre côté, la même procédure. De l'autre côté. Désolé tout le bruit, c'est mon chien qui aboie. Voilà, on va faire la même chose pour ce côté-ci. Il faut que vous faites le coin, comme ça. Et puis l'autre côté, pour pouvoir bien fermer ce morceau-là. Comme ça. Le coin, c'est très important. Et nous allons le passer à la machine en prenant ici le petit coin et ici et le petit coin ici. Faites toujours attention au coin parce que c'est un peu dur. Sinon, le cuir va péter. Et voilà, le petit sac est terminé.